Ok, ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo où vous allez sûrement chialer vos races. Je suis désolé, mais vous allez peut-être pleurer parce que ce sera des animations en fait qui sont à caractère triste, on va dire, ou à caractère fragile, on va dire. Donc, si vous êtes un fragile, justement, vous êtes sur la bonne vidéo. Enfin, ça dépend dans quel sens on voit les choses. Mais si tu es venu ici pour chialer, tu vas peut-être chialer. Et si tu es un gros dur, essaye de rester quand même, d'accord? Peut-être que cette vidéo s'appellera Essayer de ne pas pleurer. Moi, en tout cas, en tant que gros dur, je vais m'exposer à ce défi-là et on va voir ce que ça donne. Ah oui, juste petite note pour ceux qui me disent « Ouais, cette chaîne se barre en couille, il est où Pablo ?» Il est là, Pablo. Allez, salut. Voilà, tu l'as vu 2 secondes. Au moins, il est encore là. Je te jure, il existe encore. Ne t'en fais pas. Bref, c'est parti. En fait, ça s'appelle Last Breath. Last Breath. Ce qui signifie dernier souffle. Donc forcément, déjà, ça annonce plutôt bien la couleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais... Oh, astaghfirullah. Sûrement période post-apocalyptique, je sais pas quoi, durant une guerre peut-être, ou un truc... Oh là là. Oh là là. Dégueulasse. Astaghfirullah. Ne bois pas, c'est de l'eau radioactive. Ah mais faut bien survivre hein. Qui ont aidé mon... Oh non, la tristesse. Joyeux anniversaire. Bah super l'anniversaire frère. Voilà. On peut dire que c'était de la bombe ou pas? T'as compris? Bombe atomique, radioactivité, tout ça. Allez, on fait de l'humour quand même. Ouais. Petit tournesol. C'est mignon ça. Ah bah on a un petit fragile là. Alors là, ça c'est un petit fragile. Ça c'est... Alors là tu peux dire ce que tu veux. Franchement en période post-apocalyptique ou pas, la fragilité est présente. Hein. Le mec il a pris une fleur s'il te plaît. Il a peur qu'il y ait une bête qui lui bondit dessus ou quelque chose comme ça. Putain comment ça doit faire trop flipper de rôder comme ça. Tout seul frère. On vient de nulle part gros, c'est nimp. Oh. Ça doit être sa fille peut-être ou... Putain la fragilité frère. Miskin. Fait de la peine Allah. Mais ça reste un bonhomme solide. Parce qu'il n'y a pas que les sentiments dans la vie frère. Et les centimètres aussi. Non, pas du tout. Il a besoin d'un autre filtre. Oh là là. Que sans les filtres t'es foutu en fait. Tu peux plus respirer de l'air pur tout simplement tu vois. C'est vraiment désert sa mère. Hein. Eh ben putain. Oh non, Starfoodla frère. Starfoodla frère, non non non. Mais sors un autre filtre. Prends un filtre. Merde, t'es sérieux? Oh non! Non! Mais non, c'est pas vrai, il peut pas mourir comme ça. Relève-toi, wesh! Relève-toi! Mais tu peux pas crever comme ça, sale chien, va! Eh, hey, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse de finir sur ça, frère. Oh putain, et en plus, là, je viens de voir dans les commentaires, et c'est aussi ce que je me disais, en fait, c'est que cette zone-là que la personne avait atteint, tu vois, bah, c'était une zone qui était décontaminée, en fait. Ça veut dire que si la personne aurait continué, tu vois, tout droit, et qu'elle aurait pas, elle serait pas tombée sur... D'ailleurs, c'est quoi? C'est un cadavre, ça, ou c'est quoi? Essaye de savoir ce que c'est.
Ah, oh, Starfuga, c'est un cadavre. Merde. Mais c'est con, frère. En fait, là, il a été affaibli par les trucs radioactifs, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, ouais, là, de l'autre côté, c'était un truc décontaminé, il me semble, tu vois. Putain de merde. Alors, celui-ci s'appelle Changing Batteries. Qui signifie tout simplement changer des batteries, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, changer des batteries, tout simplement. Enfin, non. Batteries, en anglais, ça veut dire des piles, en fait. C'est-à-dire changer des piles, excuse-moi. Non, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est changer des piles. Attends, c'est écrit quoi? Désolé maman, je pouvais pas venir cette année. Voici quelque chose pour toi. D'accord. Oh merde. Le mec qui a plus le temps pour aller voir sa daronne. Tristesse. Elle se sent toute seule, mais elle, je te parie, elle s'en foutait. Elle voulait voir son gosse. Elle voulait pas de son cadeau, frère. What? C'est un androïde, frère. On est dans Détroit, frère. Become human. Fais le balai, bâtard. D'ailleurs, ce petit robot, il ressemble à Clank, pour ceux qui connaissent Ratchet & Clank. Oh, c'est mignon. Frère, même le robot, il tient compagnie et pas le gosse. Starfou là, frère. Ah, tu penses qu'il va manquer de batterie? Et qu'il faudra lui changer les piles au robot, miskin? Oh non, je le sens mal. Parce que direct, il y a un robot, appareil électronique, ça parle de piles. Merde. Mais vas-y, on va espérer pour le meilleur. Oh, regarde le cirque. Il voit qu'il y a une annonce pour aller au cirque et tout. Il voudrait y aller, miskin. C'est comme un petit enfant. C'est mignon. Wesh, il a bu de l'huile. What the fuck? Oh non. Oh, starfullah, frère. En plus, ça se voit, les vieux, ils s'y connaissent pas trop, non? Oh, si, ça va. Bien! Ouais, c'est pas pratique. À chaque fois, faut lui mettre des piles, frère. Tiens, prends le sombrero. Et oublie les chapeaux de paille, c'est pareil. Elle a pris des médocs, non? C'était écrit Dr. Wong, je crois, un truc comme ça. Il lui a fait un petit thé. Qu'est-ce qu'il est mignon. Pah, il lui a ramené de l'huile premium, frère. Elle est tous forts, la demoiselle. Enfin, la dame, ce qu'il a. Ah, c'est le 5. C'est pour le cirque. Oh. C'est mignon. Et il va ramener le chapeau. What? Oh non, Starfulla, frère. Oh non. Mais Skinny croit que c'est un robot, que elle aussi, tu peux juste lui mettre des piles et que ça, elle va se réveiller. Oh putain! Mais même le robot mesquine, il peut mourir, le pauvre, tout seul, non? Ou bien il peut changer lui-même ses batteries? Enfin, ses piles? Oh non, change tes piles, frère! Quoi? Qui c'est qui lui a remis? Oh, c'est son fantôme!
Oh, c'est mignon. En fait, ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux morts, en fait. Il y a un fantôme du robot maintenant et fantôme. C'est mignon. Mais c'est triste parce qu'ils ont. Ils ont tous les deux crevé, tu vois. Mais au moins, ils vont au cirque. Donc maintenant on sait que le cirque il est habité, forcément. C'est pas pour rien qu'il se passe des trucs de dingue des fois là-bas. Le mec qui retient la morale la plus pétée de l'histoire, tu sais. Ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé de celui-ci, je trouve qu'il était pas mal. Mais comment c'est. Ça brise le cœur quand la meuf elle meurt, Mskina, tu vois. Bah, du coup, je sais pas ce qu'elle a. Je crois un problème au cœur, Mskina, un truc comme ça. Et genre, il lui ramène v'là les piles. Tu vois. En mode, hé meuf! Attends, toi aussi t'as plus de batterie, attends, je te ramène et tout. Mais. C'est un hamad le robot, le pauvre. Tu vois, il essaie désespérément. C'est ça qui m'a brisé le cœur. J'étais en mode, frère, arrête. Plus t'essayes, plus tu me brises le cœur. Arrête tes histoires, frère, arrête. Enfin bref, je pense qu'on peut passer au suivant. Alright, celui-ci s'appelle Dream. Dream qui signifie rêve. Et donc, je suppose que ça va être quelque chose d'assez féerique, sentimental dans tous les cas. Nous allons découvrir ça ensemble. Peut-être que nous allons être surpris. Nous voyons dans un premier temps. What the fuck? C'est des baleines qui chantent. C'est pas triste, ça, c'est mignon. Des rhinos qui ont des voix comme ça, frère. Te fous pas de ma gueule, arrête. C'est trop joli en tout cas. In dreams were made and used and wasted. But the tigers come at night. Ah ouais. Les bâtards ils viennent chasser, les bâtards ils vont pêcher. Oh Starfulla. En gros c'est l'homme versus la nature, non? C'est ça l'idée? Oh, ok, je capte. C'est un pélican ça? Comment ça s'appelle? Oh, regarde sa maman. Oh, ils lui ont pris ses cornes. Oh non, Starfulla. Et la baleine, ils vont la buter. S'en bat les couilles, continue de chanter, frère. Il fait la meilleure prestation. Miskin, regarde, il va se noyer. Oh. Non. Sale bâtard. C'est comme ça qu'ils nous voient en fait. Comme des gros fils de pute. Oh le fils de chien. Mais quelque part c'est vraiment comme ça hein. C'est juste parce que c'est présenté de cette manière que on a envie de chialer ou quoi. Mais là, c'est la vraie réalité, tu vois. C'est exactement comme ça. Moi, j'ai vu des photos avec des Mskins. Je te jure, j'ai déjà vu une photo exactement comme celle-ci. Où Mskins, t'avais un oiseau, comme ça, qui était carrément trempé dans du pétrole ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait de la peine. Sans parler du massacre des baleines. Moi, je trouve que celui-ci, c'était le plus percutant pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'ici, c'était le plus percutant parce que ça représente une réalité alors que les autres, c'était un peu quelque chose de fictif, j'ai envie de dire. Ça représente la réalité. Du coup, c'est pour ça que je suis beaucoup plus atteint par celui-ci pour l'instant. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Celui-ci, il s'appelle Tea Time. Tea Time qui s'appelle le moment du thé. Tu vois ce que je veux dire? Tea Time. Subhanallah, en plus, c'est encore une histoire d'une vieille personne avec un robot. J'ai pas deviné, c'était écrit. C'était sur les photos, quoi, tout simplement. C'est mignon.
Il est cool ce petit robot, frère. Il a l'air tout gentil. Ah, il est bloqué, le skin. Ah, lui aussi devient vieux ou quoi? Oh là là, le pauvre. Voilà, il devient vieux, je crois. Il est vieux, il sent la rouille. C'est français! Mais encore, ne soyez pas sentimental. Vivez votre vie à 100 à l'heure. Notre nouveau robot multifonction vous redonne jeunesse et vitalité en 3 jours seulement. Sponsorisé par la boisson des vainqueurs. Il aspire, il repasse, il cuisine, tire la chasse, lave le dos. Débarrassez-vous de vos vieilleries. Arrêtez le SOS 9000. Elle va le remplacer. Il est dead. Il est aussi dead que quel presque. Enfin, même lui, il est pire. Il est trop petite pour le truc, non? Pour choper la théière. Réveille-toi, frère. Karma, bitch! Tu voulais remplacer le robot, hein? Il s'appelle Simon, en plus. Oh non. Il est pas très futé, miskin, tu vois. Oh non. Il va le remplacer. Oh! Mais c'est catastrophique. C'est juste que ce truc, c'est une boule, frère. Ah non. C'est de la drogue, ton truc, meuf. Oh, le pot. C'est vraiment une salope, la vieille! Oh, miskin, regarde son bras. Putain. C'est dégoûtant. Le pauvre, il est en train de tomber dans... Il tombe en ruine, le pauvre. Miskin. Il va faire comme les gitans. Je déconne les gitans, voilà. Miskin, il va aller vivre tout seul avec une photo de lui et la vieille. Elle te mérite pas, frère, je te jure. What the fuck? Tu lui fais boire, c'est drogué, frère. Voilà, c'est de la drogue. Mais quand la drogue n'aura plus d'effet, frère, elle va prendre cher. What the fuck? Il va se rebeller, man. Je crois qu'en vérité, elle n'en peut plus, non? Elle va die. Son cœur, il est en train de prendre cher. Mais non. Il s'est fait décimer, le pauvre. Il s'est fait laserifier. Mais c'est quoi le délire là? T'es mal, son cœur il est à 180 battements. En fait, il veut vraiment la buter. Bats-toi, frère. Bats-toi et bute la meuf aussi. Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est bien, il a mis de l'huile dans la gueule. Excellent. Waouh. Frère, donne des coups de pied au mec. Oh non. Ouais, j'étais sûr que c'est dans la maison, frère, on dirait qu'ils sont dans un... Là. Oh, elle l'a sauvé. Oula. En fait, c'est tout le temps un jeu détaché, mais il meurt pas.
Franchement, je préfère, ça fait plaisir. Ah! Bon, bah, ça t'apprendra, meuf, hein. Maintenant, il l'a invité dans sa caravane. Là, c'est bien! Votre grand-mère est une antiquité. Elle n'aspire plus, ne cuisine plus, ne repasse plus. Elle prend la poussière et elle boit du thé. Ils ont balancé la télé, c'est bon. Frère, la télé, c'est le diable, Starfall là. Ah, ça veut bien dire, moi, c'est ça que je retiens. Ne regardez pas la télé, hein. Parce que bientôt, vous en avez marre de votre femme, naninanana. Commandez-en une nouvelle. Putain de bâtard de merde, frère. Ça va, celui-ci était plutôt marrant, tu vois, j'ai bien kiffé. En gros, moi, ce que j'ai compris, ils veulent la buter pour ensuite récupérer tout l'argent, tout simplement, je pense. Puisque c'est des personnes qui vivent seules, de toute manière. Et en gros, c'est ça, le robot, il voulait tuer la vieille dame pour avoir tout son fric. C'est vraiment des fils de pute quand même, hein. Les gens, c'est des fils de teint. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il n'y a pas une fin triste ici, tu vois ce que je dis. Enfin bref, je pense qu'on peut passer au prochain truc. Celui-ci s'appelle Aurora. Et pas Morora, attention. Aurora. Et sincèrement, de ce que j'ai vu, il a l'air magnifique, tu vois. Papa et sa petite fille, ça peut être qu'une belle histoire. Mais une histoire triste. Et fais gaffe à la route! Putain de merde. D'accord, bon bah au moins. On peut pas dire que les choses ne se passent pas rapidement, tu vois, ou que c'est lent. Wesh. C'est des nuages ça, frère. Oh, c'est sa petite fille. Elle flotte sur un pneu. Je sais, j'ai besoin de décrire parce que mes commentaires sont indispensables quand même. Ah ouais. Putain, s'il te plaît, dis-moi que la fille elle est encore vivante. Dis-moi qu'elle est vivante. Elle respire, je crois, ouais, elle respire. Elle respire. Oh. Oui, c'est ça. Essaie de rapprocher ta fille. Même si elle a du vent, frère. Non. Ne succombe pas à tes blessures. Oh mon Dieu. En gros, c'est lui qui se bat contre la mort, là. Il se bat pour sa vie. Et pour sa fille. Oh, putain. Putain, c'est trop original. J'ai jamais vu des trucs comme ça, frère. Nager dans les nuages et tout, frère. C'est quoi ce délire? C'est comme si c'était vraiment un océan, alors qu'ils sont dans le ciel. Oh. Main dans la main. Ils sont morts tous les deux, frère. Mais sérieux, il est où Thanos? Non, je déconne parce que tu sais, il y avait des étoiles et tout. Genre Thanos, il... ceux qui ont maté Avengers, ils sont quoi? Mais je dis ça pour détendre l'attention. Moi, je dis, j'ai le seum, c'est quoi ce truc? Eh, hey, mais c'est une horreur. T'as compris? Horreur, Aurora. Mais frère, en gros, ils sont morts tous les deux, quoi. Il y a quelqu'un qui a décrit dans les commentaires qu'apparemment, et en fait, quand je lis ça, je me dis que ça peut être que ça, en effet. Le mec, en fait, il s'est jeté, c'est-à-dire le papa, il s'est jeté. Quand il a su que sa fille, elle allait mourir. En fait, c'était sa fille qu'il essayait de sauver, en fait. Apparemment. Parce qu'elle était mourante. Et en fait, quand il a vu que Miskina, elle est morte, il s'est dit, vas-y, je me jette avec elle, en fait. Je veux pas être le seul à survivre. T'as vu, là, par exemple, elle est morte, Miskina. Mais je comprends pas pourquoi ces bâtards, ils ont pas pu la sauver, elle, tu vois. Pourquoi ils essayaient de sauver le papa? Sauve la fille, d'abord. Nique sa mère, le papa! Mais en fait, voilà, elle est morte en premier. Après, lui, il s'est dit, vas-y, on meurt ensemble. Putain de merde.
En vrai, c'est grave triste, c'est super ultra triste la vérité. Mais bon, je pense que il y a peut-être pire. Enfin, pas dans la vie, non, non. Mais je veux dire en termes en termes de d'animation triste. Tu vois ce que je veux dire. Alors celui-ci il s'appelle The Present et j'ai dû partir sur Dailymotion pour retrouver en bonne qualité, tu vois. Parce que sur YouTube j'ai pas vu de bonne qualité parce que je crois que l'original a été supprimé, je sais pas pourquoi, mais ouais. En tout cas, il s'appelle The Present qui signifie le cadeau. Salut chérie, désolé j'ai pris un peu de temps. Je t'ai ramené un truc. Et c'est une belle journée à dehors, tu devrais sortir. Il fait magnifique, de ouf. Ça c'est moi quand j'étais tout petit, hein. Enfin jusqu'à maintenant en vérité. Du coup il a acheté un truc pour lui, il a dit hein, c'est pour moi. Il est en train de parler taf avec un client apparemment. Oh, miskin le chien. Regarde, il lui manque une patte. She's gotta be kidding me. Mais c'est un fils de timp. Il a dit wesh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Get lost. Mais t'es un bâtard. Regarde en plus comment il est trop mignon. Ils sont bas les steaks en fait, il le rejette et tout et lui il joue. Il veut même jouer avec lui, il le mérite pas. Ah. Oh le pauvre, comment il s'est fait mal. Et lui comment il joue comme un gros bâtard. Il joue avec lui frère. Oh c'est trop mignon parce qu'il croit qu'il joue avec lui en fait. Alors qu'en fait lui il veut juste qu'il parte. Oh. J'espère vraiment qu'il a un cœur, ce garçon de merde. J'espère vraiment qu'il va avoir pitié de lui. Wallah, j'espère. Oui, inquiète-toi pour lui, frère. Ah, c'est Solid Snake. Vous savez de quoi je parle. Ah, il commence à le kiffer, ça va. Mais bon, ce gros con, tu vois, ça le dérange qu'il lui manque une patte, mais c'est pas de sa faute, miskin. C'est comme si tu naissais, t'avais pas de couilles. Comme c'est le cas, connard. Pourtant, il te rejette pas, le chien. Hamar. Pardon, j'insulte parce que moi, ça m'énerve, sa première action. Je suis désolé, hein. Il est trop adorable, ce chien. Il est vraiment trop adorable. Oh, le pauvre, il veut se gratter, il n'y arrive pas. Il fait quoi, hein? Là, ça a plus de sens pour moi. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas un bâtard alors, finalement, le garçon. Peut-être que ça l'a fait chier parce que ça lui rappelait entre guillemets son handicap, tu vois. Oh, c'est mignon. Non, là c'est beau. Là, c'est franchement, là, j'ai envie de lâcher une larme pour le coup, ouais. Fils de pute. Ça reste un fils de pute quand même. Ah putain. M'attendais vraiment pas à cette chute. Non, vraiment, 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 vraiment. Bien joué de la part des gens qui l'ont fait. Hein. Alors celui-ci, il s'appelle Children. Children qui signifie gosse au pluriel. Tu vois ce que je veux dire? Encore une histoire de clébar. Comment ça me casse les couilles, clébar, hein. Quoi? C'est quoi ce délire là? Le chien il s'est fait écraser par le train comme ça, au calme? Wouah, comment ça a l'air sombre. What the fuck, frère? Putain, leur tête. Ça me rappelle un personnage dans South Park. Qui avait exactement cette forme de tête. Et cette coupe de cheveux en fait. Putain, le prof il fait flipper frère avec sa tête de smiley là. Yir. On dirait qu'ils ont pas d'âme ces êtres vivants là. Ah, c'est des robots frère.
En plus, ils parlent pas, ils ont des... What? Ils ont des zips, frère. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce bail, là? Du chien qui se fait éclater, là. J'espère qu'en vérité, il se fait pas éclater et que c'est juste dans son imagination, en fait. Vraiment. What the fuck? Même eux, ils en ont marre, frère. Ah ouais, il en a marre de son prof de merde, en fait. Il a envie de le buter. Il a eu un bug. C'est bon, il va devenir un déviant, comme dans Detroit, frère. Il va devenir un déviant. Il pète un câble, frère. Même le monsieur, il a un masque, frère. C'est quoi ce bail? Oh non. What the fuck? C'est bon, ils sont dézippés eux-mêmes. La fermeture est claire, ils l'ont ouvert sa daronne. Wesh. Oui, le chien passe. Cette fois-ci, il n'y a pas de train. Inch'Allah, il n'y a pas de train cette fois-ci, frère. Non, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Starfullah, non, il va se faire écraser aussi. Mais what? Mais il est mort? Il est mort? Ah non, il... Eh, celui-ci, il est semi-triste, semi-ultra-creepy, tu vois, ça fait flipper. Parce que j'arrive pas vraiment à retenir un vrai truc. Ça c'est les japonais, frère. Dès qu'il y a un truc japonais, frère, c'est chelou, je te jure, c'est incroyable. C'est le deuxième truc japonais qu'on a maté et c'est le plus chelou, en tout cas de tous. Alors déjà, j'ai dit que c'était japonais, c'est peut-être faux. Et là, je vois un commentaire qui est très intéressant, en fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a un élève, du coup, ou un monsieur, enfin, je sais pas exactement quel âge il a, mais il décrit, en fait, la situation dans la Corée du Sud et il dit que c'est exactement comme ça, en fait, tu vois. Et en gros, dans son commentaire, il explique que les gosses là-bas, ils vont très très tôt à l'école. Enfin, en gros, ils se préparent pour des études, des trucs de malade, mais ils profitent même pas de la vie, en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment programmés presque, tu vois ce que je veux dire, et que en gros il est en train de dire que, tu vois, ils devraient avoir une enfance, tu vois, comme les autres enfants, et profiter, partir dehors et, tu vois, sentir un peu libre. Mais bref, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et si c'est le cas, je vous en ferai d'autres comme ça, sur des animations d'autres types, pas forcément tristes ou émotionnelles ou quoi. Il y en a qui font peur, il y en a qui sont ultra joyeuses. Il y en a qui sont... Il y a différents moods, en fait. Il y en a qui sont ultra bizarres, tu vois ce que je veux dire. Et cette dernière qu'on a matée, elle était entre bizarre et émotionnelle, ou avec un message profond. Mais c'était plus émotionnel qu'autre chose. Enfin, bref. Laissez-moi vos suggestions dans les commentaires. Et j'en prendrai compte, Inch'Allah. Alors, vous connaissez les bails, d'accord? Si vous avez vraiment kiffé, le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire qui fait plaisir, et le petit partage qui est totalement optionnel, tu vois ce que je veux dire, mais qui fait vraiment ultra plaisir. Parce que je vois sur Twitter les gens qui partagent et tout. T'inquiète pas, je vois, frère. Donc, ça passe pas inaperçu, tu vois ce que je veux dire. Quand vous donnez la force, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Dans tous les cas, prenez soin de vous. J'ai Berchino. Peace. Hello.